J'ai le talent, elle est bien. J'ai le talent. Aïe. C'est bon. Elle est tellement devenue flambante qu'elle mériterait que je t'éteigne, frère. Salut Internet, c'est Kamoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo nostalgique. Une vidéo avec mon frérot, Mikalash, qui est avec moi aujourd'hui. On est là, ma gueule. Faites pas attention à la taille. C'est pas que je suis petit, c'est qu'il est grand, ok? Donc, c'est pas du tout moi le problème. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, les gars, c'est que comme Mika, il est très très bon dans les pièges d'escrocs sur le bon coin, etc. Moi, j'ai décidé de l'appeler parce que j'ai trouvé une pépite sur le bon coin. On va piéger aujourd'hui un escroc sur le bon coin qui vend une fausse Rolex. Et on va le rendre fou, mon vieil. Oh. On va le faire tarpin péter un câble. Donc on va l'appeler, les amis. Vous l'avez compris, ça s'annonce gigantesque avec ce... Titanesque, je dirais. Titanesque avec ce titan à côté de moi. D'ailleurs, tu peux marcher un peu derrière qu'on soit à la même taille. Vas-y, frère. Attends, je marche encore, comme ça, encore. Peut-être là, tu vois. Voilà, là c'est bon. Non, là c'est bon. Là c'est bon, dans la même taille. Donc, on va donner rendez-vous à ce mec. D'ailleurs, on lui a donné rendez-vous et on va l'attendre dans un petit parc non loin de chez moi. Et on va lui faire la misère, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à aller sur la chaîne du frérot Mikalash aussi, vous connaissez, il fait des vidéos YouTube. Il y a son Instagram et tout, tout est en description et sur la vidéo. Je vous souhaite un bon visionnage à tous et à tout à l'heure. Bon les gars, là j'ai envoyé un message avec ma position au mec. Il devrait pas tarder. Je vais dire que je connais rien en montre et que je vais appeler un pote qui est expert en montre, tout ça, pour qu'il vienne la voir. Donc voilà, on l'attend et dès qu'il arrive, on se remet à filmer. Bon, je crois qu'il y a un mec qui vient, je crois que c'est lui. Tiens, attends que tu filmes. Bonjour. Bonjour, c'est vous pour la montre? Ouais, c'est moi pour la montre. Salut. Ça va? Gérard, enchanté. Ah, enchanté. Du coup, t'as la montre sur toi? Bien sûr, j'ai la montre. Tiens, je te la montre. Et là, tu me montres la montre? Je te la montrer. Tu me montres la montre? C'est ça? Tu es rigolo, toi. Ah, je suis pas rigolo. Voilà, elle est belle. Hein, combien tu l'avances, ta montre, alors? 2000 euros, mon ami. 2000 euros? Ouais. Mais 2000 euros, c'est pas cher 2000 euros. Ouais, mais pour ce modèle là. Ouais, c'est pour ce modèle. Mais tu peux, vas-y. Mais t'as compris, genre, je la vends en 2000 euros parce que en ce moment c'est des temps compliqués. Elle est légère un peu quand même. Hein. Elle est légère, alors. C'est Noël, on fait les cadeaux. Elle est un peu légère à la montrer, elle est pas très lourde. C'est quoi, modèle femme? Eh oui, c'est modèle femme, c'est pour ça. Je le vois bien quand même, c'est modèle femme. Elle est un peu légère, hein, mon ami. C'est une vraie, un certificat. T'es une fausse, pourquoi tu me dis que c'est une vraie? Ah, je sais pas. Elle est de force ou de vrai, moi? Ouais, je sais pas, il y a les certificats et tout là? Ouais, il y a tout. Tu peux? Bien sûr, vas-y, regarde, la carte. Ah, c'est une vraie? Ah oui, c'est une vraie, mon ami. T'es sûr? Ah oui, mon ami. Pourquoi tu l'avances ce prix là, c'est une vraie? Parce que je veux m'en débarrasser. Parce qu'en ce moment, c'est tant compliqué, il y a Noël. 8000 euros, tu pourrais la vendre facilement 8000 euros cette montre? Non, 2000 euros, je trouve ça un prix correct. Je le brade le prix pour la vie, mais tu peux la vendre. Très aussi rapidement à 8000 euros? Non, je pense pas que la vendre autant rapidement, 2000 euros, comme ça je m'en débarrasse. Tu perds de l'argent là? Moi je te l'achète, je m'en fous, mais. Bah, tu as les sous, si tu veux l'acheter. Ouais, je vais juste appeler un ami à moi qui se connaît bien en montre. Ok, comme ça il regarde. Ok, ouais. Ça te dérange pas? Non, du tout, de toute façon j'ai rien à me reprocher. Allô? Ouais, allô frère, ça va? Ça va et toi? Ouais, bien ou quoi? Ouais, ça va, tranquille. T'es où frère? Là je suis pas loin de chez moi. T'as, tu rends fou frère, ça fait une heure que je te dis viens, on se rejoint et tout. T'es là, t'es pas là frère, qu'est-ce que tu fais frère? Ah, commence pas à t'énerver gros. Je vais péter un câble. Le mec il est là, il nous attend avec la montre. Est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Frère, je t'ai dit, je suis au parc. Ah, c'est quoi ce bin? Je suis au parc. Mais t'es où frère? Je vois pas. Ah, c'est pas là. Frère et tout. C'est quoi? Plus ta voiture frère. Le mec il s'en va en plus. Tiens, viens. Comment ça il s'en va? Fais vite, viens, reviens. Ah, attends, je vois. Monsieur, le mec, c'est bon, le mec, ah, c'est bon. Monsieur, c'est bon. Ah, c'est une blague, c'est une blague. C'est une blague. C'est lui, mon pote. C'est une blague. Oh, Gérard, calme-toi. Il s'appelle Gérard? Ouais, il s'appelle Gérard. Non. Oui. Alors? T'as quel âge, frère? 25. 25? Ouais. C'est-à-dire, genre, quand t'es né, tes parents ils se sont dit on va l'appeler Gérard, genre? Ouais. Oh frère, ouais. C'est pas possible, c'est illégal ça. Et pour moi, et toi, je crois que... Tu t'es porté plainte contre tes darons là frère, c'est pas... Non, c'est pas des trucs qui se font. Ça montre nous la montre. Non, c'est interdit frère. Ça va, rigole, Gérard. Viens. Allez, viens Gérard, viens. Viens, on se boit un bon Ricard. Tu veux pas te boire un petit pastis, Gérard?
Bon pasta, gars. Là, ça va rigoler, bon hein. Pasta, parce que tu connais à Marseille, on aime bien charrier et tout. Ouais, mais j'ai pas le temps. On aime bien rendre fou. Ouais. Allez, passons aux choses sérieuses. Montre-nous. Pas belle. Alors, je t'explique. Lui, s'il connaît très bien un montre, ouais. il va nous dire si c'est une vraie chain. C'est une Polex. C'est une Prolex. Prolex. Ça va, c'est quoi, Rolex, non? C'est comment c'est là? C'est Rolex. Ah, Rolex. Rolex. Non, ouais. Moi, ben, après. Mais lui, comme c'est un pro des Rolex, il dit Prolex. Non, mais moi, je vais dire un peu de faire fermer ta gueule, tu vois, parce qu'en fait, en gros, si tu veux, le truc, c'est que moi, frère, genre, en fait, je dis Prolex parce que je suis un professionnel des Rolex. Exactement. Ouais. On a dit parce qu'il est un peu schizophrène, c'est pour ça. Eh, mais je m'en bats les couilles. Il faut schizophrène, c'est très fort. Eh, m'en bats les couilles. Écoute, les frérots, oh, je peux bosser. Oh, on va se calmer là. Oh, ça se fait mon temps là. T'as vu? Moi, je pas vu pour son frère, voilà, ok. Voilà, tiens, reprends ta montre. Allez, c'est bon. Allez, vas-y. Là, je parle pas avec lui. Non, pas avec moi, si tu veux. Lui, regarde la montre. Moi, je regarde de loin. Parce que toi, tu as l'air normal, mais lui, il est pas tranquille. Elle est belle. Attends, je peux mettre une lettre sur moi. Qu'est-ce qu'il en pense? Oh là là, franchement. C'est une vraie ou pas? C'est quoi ce vada là? Mais c'est quoi? Attends! Mais attends! C'est quoi qui brille, fait comme ça? C'est une vraie ou pas selon toi? Moi je dis elle est pas mal, tu vois. Mais en même temps elle pue sa mère. Allez, va à la mode, là. Sa mère ça veut dire elle est bien, justement. Ça veut dire elle a de l'odeur. Parce qu'en fait lui il confond l'été et l'épée. Donc au lieu de dire il tue sa mère, il dit elle pue sa mère. Tu comprends? Il a un problème, je te dis il a des problèmes. Est-ce que tu peux faire ton test habituel pour voir si elle est vraie? Parce que mon frérot là, qui est Prolex du coup, il fait des tests pour voir si c'est une vraie. Tu peux faire un test, s'il te plaît, Mika? Je fais le test? Ouais, fais le test ultime, genre, tu vois. Par contre, si c'est pas une vraie, frère... Non, mais il faut qu'elle ait 5 sur 5 aux étoiles. Reculez un peu, il faut juste que je regarde. Il regarde au soleil, t'inquiète pas. Hop, tu vois, genre, c'est... Normalement, il y a une espèce de reflet comme ça, et après, normalement, tu vois... Qu'est-ce qu'il fait? Non! C'est pas mal. T'as vu? Donc si c'était une fois, ça l'aurait cassé. Là, elle a pas cassé. Ah, maintenant, il y a le deuxième test. Le deuxième test, en vrai, tu vois, genre, attends, je m'échauffe un peu. Laisse-le, c'est normal, sinon. Il a des problèmes, c'est comme ça. Mais pourquoi tu me ramènes fou? Parce que c'est le seul mec que je connais qui est Prolex. Mais Prolex, c'est pour ça qu'il travaille plus avec Prolex, hein. Bah, il travaille plus parce qu'il a des petits problèmes de santé, tu vois. Ah bah, ça se voit. Ah, c'est bon, je suis échauffé. Vas-y, on va faire le deuxième test. Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi tu fais mal? Pourquoi tu regardes mal, cours de mort? Qu'est-ce qu'il fait? C'est cassé. Non, il a cassé la montre. C'est cassé, frère, c'est cassé. T'as essayé de nous vendre une fausse montre? Tu veux faire le mariole avec moi? C'est qui je suis, moi? T'es qui, toi? Vas-y. C'est un petit jouet, frère. C'est un jouet. Mickaël, range le jouet. Range le jouet? Oui. Je voulais m'amuser. Non, il faut que tu ranges le jouet. Il est marrant et range tout. Range le jouet. Franchement, j'ai été gentil, t'as vu, j'ai mis juste un coup de tête. Ouais, j'ai eu un coup de tête, j'en ai mis 5. T'es à deux doigts de la balayer, frère. Bon, on t'a juste à l'acheter, là. Eh ben oui, tu l'as cassé, logique. Mais frère, on fait comment? C'est une fosse. C'est une fosse, alors? Eh non, c'est pas une fosse, c'est loué. Frère, oui. Tu as vu le coup de tête qu'il a mis, ton ami. Non, c'est incassable, frère. Capté? Bah, du coup, on y achète pas. Eh si. J'achète pas. Si, tu l'achètes parce que c'est un peu, non? Tiens, on te l'achète pas, c'est bon. Putain. Comment ça, tu ne l'achètes pas? Tu me casses une montre? Attends. C'est pas une vraie! Et tu me casses une montre et tu ne l'achètes pas. Écoute, mon Gérard. C'est pas ton Gérard. T'as l'air sympathique. Tu as l'air bien brave. Ouais. Tu as l'air vraiment. Mais vraiment! Au top. Donc, non seulement, Gérard, mon très beau Gérard, on va pas t'acheter la montre, mais en plus de ça, Gérard, on va aller à la police. Hein. Et la police, tu sais ce qu'ils font avec leur matraque, la police? Qu'est-ce qu'ils font avec leur matraque, la police? Ah, ils font des trucs... Pas très catholiques, hein, Gérard. Pas très catholiques, hein, tu vois. Donc tu vas venir avec nous, Gérard. Et passe pas ma montre, là. Attends, frérot, t'as pas un chewing-gum, s'il te plaît, frère? Non, chewing-gum, non. Non, t'as pas? Bon, voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Mais non! Mais c'est fou! Tu manges la montre? Il a pas de chewing-gum, frère, c'est ça, quoi. Elle a un bon goût, moi. C'est une vraie ou pas, alors, du coup, là, avec le goût? Non, c'est une fausse, quoi. Pourquoi t'as pas fait ça? Non, c'est une fosse. C'est une fosse, t'es sûr. Gérard, depuis le début, regarde, c'est une caméra cachée, Gérard. Regarde, la caméra, elle est là. Regarde. Mais vous êtes fous, vous êtes. Non, attends, t'es piégé, là. Il y a les flics qui sont prévenus. Maintenant, c'est que comme on sait que tu es un voleur. Un voleur, moi. C'est une fosse, JJ. La montre, ouais. Avoue-le, JJ, avoue-le, on va aller à la police. C'est une vraie ou c'est une fosse, JJ? Dis-nous la vérité. À nous. C'est une fosse. C'est une fosse. Ah, merci. Tu vois, JJ. Ouais, JJ, on va faire un truc, regarde. T'as pas l'air méchant.
Putain, je peux lâcher, je peux lâcher. Non, c'est, il a, il a... c'est devenu mon collègue maintenant. Ah bon, voilà, bah, je suis devenu le collègue. On va boire un verre ensemble. Non, il me... frère. Même les mecs, ils me mettent des... ils me mettent des râteaux. T'as mangé sa montre? C'est pas possible, frère. C'est vrai que ça fait bizarre qu'il s'appelle Gigi quand même, à son âge. Alors, Gigi, tu t'appelles comment toi? Moi, je m'appelle Richard. Oh, Richard! Toi aussi, tu as un grand prénom. Tu m'as dit comment il s'appelle, ce fada? Moi? Raymond. Moi, c'est Raymond, frère. Bah, Gigi, la personne. Est-ce que tu veux venir avec nous ou on va à la police? Mais si tu es avec nous, il y a une petite petit gage à faire. C'est quoi ton gage? Tu vas aimer, frère. Ça, c'est en rapport avec toi. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a la police derrière nous. Qu'est-ce qu'on fait, Gigi? Avec vous, hein. On y va? Ouais. Avant qu'ils viennent t'embarquer? Tu veux aller les voir, frère? Ils sont venus pour quoi? Ils sont venus pour toi. On les a appelés. On y va, c'est bon? Allez, vas-y. Bon, on va avec JJ. On va faire la petite petit gage avec JJ. Reste à côté de lui. Reste à côté de lui, Raymond. Reste à côté de lui. Les amis, comme vous le savez, dans les vidéos de Kamoff, sentence. Et aujourd'hui, la sentence que j'ai trouvée, c'est d'attacher avec des menottes à la poubelle. Alors, Gérard, je vais t'expliquer pourquoi tu es attaché à cette poubelle. J'ai une ordure, d'accord? Et les ordures, elles vont bien avec les poubelles, parce qu'on met les ordures dans les poubelles. Exactement. Donc toi, pour éviter de te mettre dedans, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai attaché ici. Et tu vois, les clés, elles sont là. Les clés, elles sont là. Hep, hep, hep. Passe-moi les clés, là. Les clés, comment je vais faire pour me détacher ça? Voilà. Sauf que tu vois, les clés, je vais les jeter. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ça veut dire, moi, j'ai plus les clés. Je les ai jetés chez les voisins. Ils sont pas là, les voisins, en plus. Ils sont fermés, les rideaux, là. Donc, là, comment est-ce que tu me rentres chez toi? Il va falloir que tu partes avec, avec les menottes. Nous, on te laisse tranquille. Je te souhaite une bonne continuation. Merci pour la montre. Merci, hein, franchement. Et à très bientôt. Mais comment je fais, là? Arrêtez. Non, ce fut un plaisir, frérot. Ce fut un plaisir. Plaisir. Quel épingle, je sais pas. Ah. Instagram ou quoi? Franchement, belle rencontre et tout. Franchement, c'était sympathique de te voir. Non? Mais j'ai son numéro, de toute façon. Ah ouais, bah c'est bon. On te recontactera, frérot. Ça marche? À bientôt, Gérard. Voilà. Ciao Gérard. Où il va? Gérard. Ça doit durer comme ça. Et tu crois? Et tellement qu'il est con le mec. Au lieu de la tirer, tu crois pas que ce serait plus facile de la pousser la poubelle? Il est débile le mec. Elle est dégoûtée là. On fait mieux la route, frère. Et les voitures et tout qui vont passer. Oui, il va faire des embouteillages. Hein. Vas-y Mika, va l'aider frère. Qu'est-ce qu'il va lui faire encore? Attends, j'ai un truc aussi. Attends. Tiens. Tiens, Gérard. Ah, il a compris. Hop, le cul, il gratte un peu. Le cul, il gratte un peu. Oh là, il accélère. Là. Oh là, il a une poussée. Là. Oh là, il a une poussée. Par notre école, frère. Ah oui. Quelle humiliation. Hop, le cul qui gratte. Très bien. Hop, le cul qui gratte. Bon voilà les amis, on se retrouve déjà pour la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne YouTube du frérot Mikalash. Tout est en description et sur YouTube, ça s'affiche ici. C'est Mikalash, les gars. Il fait des pranks aussi à mourir de rire. Donc si vous le connaissez pas, ce qui m'étonnerait déjà, n'hésitez pas allez le voir, voilà. Merci frérot. Si ce genre de format, si ce duo vous plaît, si le duo Mikalash, Kamoff vous plaît, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à bombarder la barre de likes. Et on essaiera de se faire un truc par mois. Frère. Ouais, et même. Un truc ensemble par mois. Si vraiment ça plaît, on essaye même de faire plus qu'une fois par mois. Mais une vidéo comme on fait d'habitude, une par mois, voilà. Une sur sa chaîne, une sur la mienne, exactement. Une fois par mois. Exactement. C'est bon, vous êtes chaud ou pas? Bien, voilà. Si le duo vous plaît, les amis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à rejoindre le frérot sur tous ses réseaux. Et si vous voulez voir la montre de près, parce que là, on a récupéré la montre. Si vous voulez voir à quoi ressemblait la montre, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram aussi. Je vais mettre une petite publication avec la montre pour vous montrer à quoi elle ressemble. Ouais. Mon Instagram s'affiche en bas et le lien est en description. Pour les vidéos, en ce qui concerne mes vidéos, on se retrouve le mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo et le dimanche à 18h également sur ma chaîne secondaire qui est également dans la description. Frérot. Allez, Marseille-Nice, on représente. Faites monter le sud, donnez-nous de la force les frérots. Exactement. Et on va tout faire péter comme d'habitude. Le meilleur duo de tous les temps, il est là. Les gars. Ta 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 ta. Ciao. Ciao.